Drissa Traoré, salut à toi depuis ta position. Salut à tous ceux qui sont connectés. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Voilà. On est au Koyi, on est ensemble. Voilà. Vive le Bafing. Vive le Bafing. Que la paix et l'union, la solidarité règne autour des fils et filles du Bafi. Chers frères et sœurs, pour ceux qui m'ont connu sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps, peuvent dire que me raconter quelque chose dans le Bafi. Mais ce que les gens doivent comprendre, je n'ai pas parlé d'un autre combat. Hein. Si c'est ce qui est sur Facebook, là, défendre les intérêts du Bafing sur les réseaux sociaux, la première personne qui a commencé ça, c'est moi, Zoulou de Bogota. Oui, fils de Ganwe. Sanogo de Ganwe, petit-fils de Sanogo et de Fatiga. C'est moi qui ai commencé. Il n'y a pas de débat dedans. Ça là, on ne peut pas discuter. Ça là, on ne peut pas m'arracher. Même si demain je ne suis pas de ce monde là, ça là seulement là, personne ne pourra m'arracher ça. Oui. Ça là, personne ne pourra m'arracher ça. Je vois des gens sur les réseaux sociaux qui font les posts, mais qui maintenant là ne disent plus le nom du ministre Moussa Sanogo. Mais je vais vous dire, je vous répète, on est ensemble, vous et moi. Cette fois-ci là, il n'y aura pas de retour dedans. Hein. Ou ça s'arrête, ou on va aller au fond. Il n'y a pas de débat dedans. Maintenant là, que les attaques inutiles, ça s'arrête. Sinon, on va continuer jusqu'au bout. Oui. Parce que trop, c'est trop. Le Bafing ne mérite pas ça. La région du Bafing ne mérite pas ça. On a trop dans le Bafing pour être toujours en retard sur le développement. Trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Excusez-moi. Que les uns et les autres comprennent une chose. Le développement du Bafing, là, on ne peut pas s'amuser avec ça. Oui. Excusez-moi. Ok, je reviens dans ce direct pour dire, pour le moment là, je ne vais pas les utiliser, hein. Mais je ne parle pas des autres campagnes, les campagnes qui ont été faites dernièrement, où certains cadres ont soutenu des indépendants contre les candidats du RHDP là. C'est des vidéos pour le moment que je garde. Je ne dis rien. Mais sachez une chose, hein, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, concernant le Bafing, là, ça est sur la table du président. Ça, je vous dis en même temps. Ça est sur la table du président. J'entends des gens dire, comment on peut soutenir un arriviste? Chers frères, est-ce que vous entendez? Ça dit des gens du Bafing, hein, des ressortissants du Bafing, qui disent à un enfant du Bafing que tu es un arriviste. Oui. Ça dit quelqu'un qui est du Bafing, comme toi, et puis tu lui dis qu'il est un arriviste. Bon, ça là, si tu as Danois, et puis peut-être les bêtés disent à quelqu'un qui vient de Touba qu'il est un arriviste,
on va dire que c'est les bétés qui nous disent ça. Mais dans notre propre région, on a le courage de dire à notre propre frère, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui politiquement. Parce qu'on n'est pas d'accord avec lui politiquement. Alors que ce qu'il apporte, il est en train d'apporter au Bafing là, vous n'êtes pas capable d'apporter. Et vous le considérez d'arriviste. Mais je vais vous expliquer qui est arriviste. Je vais vous expliquer qui est arriviste. Parce que qui on appelle arriviste? Parce que hier, la même chose que vous êtes en train de dire. Hier, quand des gens ont dit ça dans le Bafing contre le ministre Mamadou Sanogo, c'est moi encore le Zulu de Bogota qui suis venu sur les réseaux sociaux et je me suis attaqué à ces personnes. Hier, les mêmes personnes qui parlent aujourd'hui, là, quand hier, on était en train de dire au ministre Mamadou Sanogo que c'est un arriviste dans la politique du Bafing, là, vous n'êtes pas sorti pour le défendre. C'est moi le Zulu de Bogota, là. C'est moi mes vidéos, là. Vous avez pris pour partager, pour vous défendre avec ça. Aujourd'hui, là, c'est vous encore les mêmes partisans là, à l'endroit des autistes. C'est vous qui dites que les autres sont des arrivistes aujourd'hui. Mais je vais vous dire, hier, là, c'est vous, vos vidéos, là, vous avez pris pour utiliser contre les gens. Et puis vous avez dit que Mamadou Sanogo, là, il n'est pas un arriviste. Mais les vidéos que vous avez partagées, là, la personne qui est en train de défendre, la personne qui est en train de s'attaquer aux gens, les Mamadou Sako, là, c'est eux qui ont dit hier que c'est un arriviste. Oui. Et c'est moi, le Zulu de Bogota, là. Je suis sorti sur les réseaux sociaux pour parler. C'est vous qui allez venir parler. C'est vous aujourd'hui qui vous asseyez pour vous dire, pour dire aux gens, moi je vous ai mis tous au défi dans le Bafing. Je n'ai pas dit deux, je n'ai pas dit trois. J'ai demandé seulement une seule déclaration venant du ministre Moussa Sanogo où il a manqué du respect à Mamadou Sanogo. Je n'ai pas dit deux déclarations. J'ai dit une seule déclaration. Faites-moi sortir une seule déclaration de Moussa Sanogo où il s'est attaqué à Mamadou Sanogo. Oui. S'il y a quelqu'un qui respecte Mamadou Sanogo dans le Bafing, là, s'il y a un homme politique qui respecte Mamadou Sanogo dans le Bafing, c'est Moussa Sanogo. Oui. Je le dis haut et fort. Oui. Parce que je le dis à épreuve. Je le dis avec preuve. Quand un cadre du Bafing, comme Mamadou Sanogo, sort et il vient dire que lui, qu'il y a des cadres qui ont soutenu des indépendants, qui ont utilisé l'argent du contribuable pour soutenir des indépendants, ça veut dire qu'il se met dans la position de nuit au ministre Moussa Sanogo. Et je vous le dis haut et fort. De mon vivant, je n'accepterai pas. Je vous dis bien, de mon vivant, je n'accepterai pas. Et retenez ça. Parce que le Bafing ne vous appartient pas. Le Bafing ne nous appartient pas. Nous sommes tous fils et filles du Bafing. De la même manière, vous êtes les enfants du Bafing là. C'est comme ça que nous sommes aussi les enfants du Bafing. Que ce soit clair. De la même manière, vous êtes les enfants du Bafing. Là. C'est comme ça que nous sommes les enfants du Bafing. La seule différence entre Mamadou Sanogo et nous, là, c'est que c'est un homme politique. Il est président du conseil régional. Mais cela ne lui donne pas plus de droits que nous dans le Bafing. Mon propre enfant que j'ai mis au monde, qui est enfant du Bafing comme moi, je n'ai pas plus de droit dans le Bafing que mon propre enfant que j'ai mis au monde. Parce que de la même manière, je suis enfant du Bafing, et puis il est mon enfant là. C'est de la même manière, il est enfant du Bafing aussi. Demain là, il va faire ses enfants qui seront du Bafing. Oui. Et que ce soit clair. Que ça rentre dans les oreilles de tous. Je le dis haut et fort. Les attaques contre Moussa Sanogo sur les réseaux sociaux
venant des enfants du Bafin, ça doit s'arrêter. On ne demande pas pardon à quelqu'un. Oui, on ne demande pas pardon à quelqu'un. On ne va pas se plier, se mettre à genoux devant quelqu'un pour demander pardon pour ça. Ça, c'est une obligation. Oui. Ou vous le faites, ou vous aurez votre réponse. Il n'y a pas de débat dedans. Oui. Quoi, arriviste? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle arriviste? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle arriviste? Je vais vous expliquer ce qu'on appelle arriviste. Ce n'est pas moi qui le dis. Le ministre Mamadou Sanogo lui-même le dit. Son combat du RHDP, là, il ne l'a pas mené dans le Bafin. Il l'a mené à Diglo. Jusqu'à ce que le RDE accède au pouvoir. Compte tenu des incompréhensions qui étaient entre lui et les cadres du RDE dans la région. Sinon, si ce n'était pas ça, Mamadou Sanogo serait resté à Diglo en train de faire sa politique. Il serait resté à Diglo en train de faire sa politique. Alors que lui, il est un homme politique. Alors que lui, il a décidé de faire la politique. Il a mené tout le combat du RDR quand le RDR est à l'opposition. Personne ne peut l'enlever ça. Personne ne peut nier ça. Clair et net. Mes chers frères et sœurs, par contre, Moussa Sanogo n'est pas un homme politique. La politique s'impose à lui. Moussa Sanogo est un technocrate invité par le président Ouattara qui a un seul souci, que tu sois RHDP ou que tu ne sois pas RHDP. Quand il sait que tu peux apporter un plus pour le développement de la Côte d'Ivoire, il t'invite. Donc quand Moussa Sanogo est invité comme technocrate et qu'il devient ministre, Moussa Sanogo est né à San Pedro, grandi à San Pedro, il a fait toutes ses études à San Pedro. Alors, il aurait pu dire hier, bon, j'ai grandi à San Pedro, je suis né à San Pedro, j'ai fait mes études à San Pedro, donc je vais mener, si je dois aider une région sur le plan politique, je vais le faire à San Pedro. Il ne le dit pas. Il dit oui, je suis né à San Pedro, grandi à San Pedro, j'ai fait mes études à San Pedro, mais je ne suis pas de San Pedro. Je suis un fils du Bafin. Donc si aujourd'hui, si Dieu, grâce à la bénédiction de mes parents, j'ai la possibilité aujourd'hui de rentrer en politique et d'aider une région, je ne dis pas que je ne vais pas aider San Pedro. Mais il serait normal que la région où je vais me mettre pour travailler, pour apporter un plus au développement, ça sera Touba. Personne ne va le chercher pour venir à Touba. C'est lui-même qui décide d'aller à Touba. C'est lui-même qui décide d'aller donner son grain de sel pour le développement de Touba. Personne ne l'oblige. Et tu vois des gens qui viennent dire, c'est un arriviste. La technique, les réseaux sociaux, parler de politique sur les réseaux sociaux, il faut connaître. Nous, on n'est pas dans les injures. Je vais vous dire, le Zoulou de Bogota, je suis le spécialiste. Je suis le spécialiste de celui qui prend, ça dit, moi je prends vos propres mots que vous dites là, et puis je dépose. Moi, je ne dis pas ce que moi je pense. Ça dit ce que vous pensez là. C'est sur ça que je vais vous prendre. Vous dites aujourd'hui que Moussa Sanogo est un arriviste. Ok, je vais vous expliquer quelque chose. Alhamdoulilah, c'est un arriviste. Mais quand un arriviste arrive dans une région et qu'il arrive à s'imposer, quand un arriviste arrive dans une région et qu'il arrive à s'imposer et qu'il devient l'espoir de la région, ça veut dire que ceux qui étaient devant lui là n'ont pas été capables de faire comprendre au peuple qu'ils étaient l'espoir du peuple. Si un arriviste aujourd'hui a gagné les élections,
Si un arriviste a gagné les élections législatives hier avec un score record de plus de 80%, et aujourd'hui, venir gagner encore au municipal, en rapportant, en devenant le maire de la plus grande commune du Bafin, ça veut dire que ces devanciers-là n'ont pas été capables de faire comprendre au peuple du Bafin qu'on peut compter sur eux. Ou bien il y a quelque chose qui n'a pas marché. Sinon, dans la logique, le peuple devait dire non à l'arriviste. Mais quand le peuple dit oui à l'arriviste, quand le peuple croit à l'arriviste, quand le peuple même dit à l'arriviste que tu es notre espoir, que c'est sur toi que nous comptons, ça veut dire que ceux qui étaient là avant l'arriviste là, n'ont pas été capables de dire au peuple qui sont leurs espoirs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand je vous entends dire l'arriviste, mais posez-vous la question de savoir comment se fait-il que l'arriviste est devenu aujourd'hui le maire, sinon le député maire de la plus grande commune du Bafin, parce que c'est ça qui est le vrai problème. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans le Bafin au municipal. Comme il y a des gens qui disent que, surtout mon grand frère Mamadou Sanogo dit, qu'il y a des cadres qui ont soutenu des indépendants dans le Bafin. Chers frères et sœurs, écoutez bien cette petite partie que je vais vous dire. Le ministre Moussa Sanogo vient de Gaoué. Le ministre Moussa Sanogo vient de Gaoué. Il est un ministre. Il vient de Gaoué. Et dans ce même Gaoué là, il y a un indépendant qui se présente dans une autre commune. Ça dit que au municipal de Waninou là, il y a un indépendant qui vient de Gaoué et qui se présente. Chers frères et sœurs, toi tu es le ministre d'un village. Tu es ministre, tu es d'un village. Et puis dans ce village-là, il y a un indépendant qui sort, qui se présente contre un candidat du RHDP. Qu'est-ce que le parti peut imaginer demain? Le parti même peut croire que cet indépendant-là, c'est toi qui l'as financé. Le parti peut croire que c'est toi qui as financé cet indépendant. Le parti peut croire que c'est toi qui a financé cet indépendant, alors que dans la réalité, ce n'est pas lui qui a financé l'indépendant. Mais l'indépendant là, a été poussé par des cadres du RHDP dans le Bafin pour détruire l'image de Moussa Sanogo. Et mais Gaoué n'est pas hypocrite. Dieu aime la vérité. L'indépendant de Gaoué qui s'est présenté dans une autre commune du Bafin, là, de Waninou, à Gaoué même, il y a 23 personnes qui ont voté pour lui. 23 personnes. 23 personnes qui ont voté pour lui. Un résultat. Qui montre aux yeux de tout le monde que le ministre de Gaoué n'avait rien à voir. Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait. Derrière ce candidat indépendant là, qui était derrière? Dieu seul sait. Je le dis et je le répète. À un certain moment, on va faire les comptes. À un certain moment, on va faire les comptes. Chers frères et sœurs, les législatives dernières qui se sont passées, il y avait une direction à la tête du RHDP qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Après les élections, le même Moulis Mamadou Sanogo a crucifié cette direction du RHDP pour dire que cette direction-là est en train de détruire le RHDP, que cette direction-là est en train de diriger mal le RHDP et qu'ils vont détruire le RHDP. Merci. Et qui vont détruire le RHDP? Dieu faisant justice,
Dieu aimant la vérité, aujourd'hui, là, ce n'est plus la même direction qui est à la tête du RHDP. Bitogo n'est plus à la tête du RHDP. C'est Bakongo qui est là. C'est Kone Kafana qui est là. Le même ministre Mamadou Sanogo ressort encore et il s'attaque à la nouvelle direction encore du RHDP. Il y a un problème. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la direction. Il y avait une première direction, tu t'es attaqué à eux. La deuxième direction qui arrive, tu t'attaques à eux. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la direction du RHDP, le problème, c'est toi. Deuxième, le ministre Mamadou Sanogo aujourd'hui qui considère que il y a les indépendants qui ont été soutenus par des cadres du RHDP. Grand frère Mamadou Sanogo, Sara Sako, vice-président de l'Assemblée nationale, c'est toi qui l'as fait tomber avec un candidat indépendant. Docteur Farr, cadre du RHDP, député de Touba, c'est toi qui l'as fait tomber avec un indépendant. Les dernières législatives, le candidat du RHDP à Djiglo, le candidat du RHDP à Djiglo, perd les élections législatives. Parce que le RDR est divisé. Les Anouloto font tout pour unir les cadres du le RHDP. C'est le grand frère Mamadou qui met un indépendant venant du RDR pour diviser les voix du RDR pour que, à la fin, le RDR perde aux législatives à Djiglo au profit du PPACI. À Djiglo. Le grand frère Mamadou Sanogo dit une chose qui est très importante. Il a commencé sa politique à Djiglo. Il a tout fait à Djiglo. Il a tout fait à Djiglo. C'est à Djiglo qu'il a fait tout. Je ne vais pas citer les noms. Mes chers frères et sœurs, regardez dans l'entourage du ministre Mamadou Sanogo à Touba. Aucun de ses collaborateurs avec qui il allait au charbon de 90 jusqu'à ce que le RHDP arrive, le RD arrive au pouvoir en 2011. Qui est avec lui aujourd'hui. Il n'y en a pas. Eux tous se sont séparés de lui. Eux tous se sont séparés de lui. Le problème de mon grand frère Mamadou Sanogo, c'est pas qu'il veut qu'on le respecte. Non, ce n'est pas ça le vrai problème. Il veut que les gens se soumettent à lui. Parce que te soumettre à quelqu'un et puis respecter quelqu'un, ça fait deux choses. Mamadou Sanogo veut que tout le monde se soumette à lui. Non, on ne peut pas se soumettre à toi. Tu as l'argent, tout le monde est convaincu, il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous le dis, ce que je suis en train de vous dire là. Je le dis avec preuve. Chers frères et sœurs, est-ce que moi il y a quelqu'un qui peut venir me dire? Aujourd'hui je suis convaincu d'une chose. Des personnes se posent la question dans le Bafin pour dire: mais que s'est-il passé pour que vraiment Zoulou ait rentré dans tous ses états comme celui qu'il a défendu sur les réseaux sociaux? Pourquoi Zoulou aujourd'hui, je le dis haut et fort, tous ceux qui m'ont connu sur les réseaux sociaux, dans mes premières vidéos, m'ont connu en tant que quelqu'un qui est en train de défendre le Bafin. Et je continuerai toujours de taper ma poitrine. Le combat du Bafin, là, je serai prêt pour ça jusqu'à Las Caras. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Grand frère, Mamadou Sanogo, on est prêt à te respecter en tant que grand frère. Ça, on ne peut pas nous... Personne ne peut nous enlever ça. On va te respecter comme un grand frère. Parce que c'est ton droit. C'est une obligation pour nous de te respecter. Mais on ne peut pas se soumettre à toi. Tu ne peux pas transformer notre destin que Dieu nous a prescrit. Ce n'est pas possible. Oui.
Oh, c'est ton droit. Tu as le droit de réclamer que tu sois respecté. Mais la soumission, non, on ne peut pas le faire. Et on ne le fera jamais. Mais te respecter, c'est bien normal. Que les cadres du Bafing comprennent une chose. Chers frères et sœurs, est-ce que vous savez ce que nous avons perdu dans le Bafing? À cause des querelles inutiles. J'ai dit trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Vous voulez que je vienne encore dans d'autres détails? Le président Ouattara est vivant. Et grand frère Ambak, là où tu reposes, que ton âme repose en paix. Chers frères et sœurs, en 2015, le président Ouattara décide de sillonner toute la Côte d'Ivoire. Il va dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il tourne dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Il arrive à Touba. Il doit arriver maintenant dans la région du Bafing. Chers frères et sœurs, non, affaire n'est pas affaire. Moussa n'était pas encore dans la politique. Moussa n'était pas dans le Bafing. Oui, Moussa n'était pas dans le Bafing en ce moment. Le président Ouattara doit aller dans le Bafing. Il allait à Korogo. Partout, il doit aller dans le Bafing. Chers frères et sœurs, pendant des jours et des jours, Madezion de Fakoli, salut à toi. Pendant des jours et des jours, les cadres du RHDP, du Bafing s'asseyent. Choisissent seulement l'itinéraire que le président Ouattara va faire à Touba, c'est problème. L'itinéraire que le président Ouattara va faire dans la ville de Touba pour saluer les gens de Touba, c'est problème. Des jours et des jours, ils n'ont pas été capables de trouver un terrain d'entente sur le chemin seulement, l'itinéraire que le président Ouattara va faire dans la ville de Touba. Et Allahu Akbar, cher frère. Il a fallu que le grand frère Ambak, que son âme repose en paix. C'est lui qui est rentré dans la réunion où ils étaient. Et puis il leur a dit, il y a quel problème? Vous exagérez. C'est bon, arrêtez tout. Nous-mêmes là, on va voir l'itinéraire que le président Ouattara va prendre. Le président Ouattara, dans son programme, devait dormir à Touba. Chers frères et sœurs, le président Ouattara n'a pas dormi à Touba. Il a continué son chemin. Il a continué son chemin. Moussa n'était pas dans la politique de Touba en ce moment. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Moussa n'était pas dans la politique de Touba en ce moment. Moussa n'était pas ministre. Personne ne le connaissait. Ça veut dire que Moussa est venu trouver un problème. Il ne veut pas se mettre dedans. Moussa est venu trouver un problème. Il est venu le trouver, il ne s'attend pas. Il dit non, je ne rentre pas dans ça. Mon problème, c'est le développement. Ils disent non, il faut prendre parti. Il dit je ne prends pas parti. Je ne dis pas parce qu'il me l'a dit. Mais moi-même, je suis victime de ça. Salam alaykoum à toi, ma très chère soeur. Sirani Touré, salut à toi. Quand tu m'as ou Chali, salut à toi. Oui. Je suis victime de ça. Et je vais vous expliquer. Les dernières législatives qui sont finies. Dieu est mon témoin. Je vais répéter ça pour que tous les gens du Bafing, parce que certainement tout le monde n'a pas écouté. Mais il faudrait que les gens sachent ce que j'ai fait comme boulot. Mamadou Sakho, docteur Mamadou Sakho, il peut le confirmer. Je le lui ai dit. Je veux qu'on se mette ensemble. Vous, les cadres, mettez-vous ensemble. Pour la bonne marche du Bafing. Le grand frère Bama Marino, je lui ai dit. Le ministre Moussa Sanogo, je lui ai dit. Le ministre Mamadou Sanogo, je lui ai dit. Tous les cadres du Bafing, avec qui j'ai pu parler, en tout cas, je leur ai dit. Et cette position-là, je reste là-dessus. Hein. Aux législatives, passées. Pour que le grand frère Mamadou Sanogo soit le député de Ouaninou et Moussa le député de Touba. De vous à moi, chers frères, je vais vous expliquer quelque chose. Hein.
C'est là que vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moussa, en réalité, s'il doit être maire ou bien député d'une commune à Touba, dans le Bafing, là, ce n'est pas à Touba, mais c'est à Waninou. Salam alaykoum à toi, mon très cher frère Chérif Haïdara. Si Moussa doit être député ou est maire dans une commune dans le Bafing, là, c'est Waninou. Parce que son village fait partie du département de la commune de Waninou. Le ministre Mamadou Sanogo, s'il doit être député maire dans le Bafing, là, c'est à Touba. Parce que son village, Ferintela, fait partie de Touba. Parce qu'il faut qu'on fasse les détails, hein. Faut qu'on parle. Parce que vous savez, je ne me bats pas seulement pour le Bafing. Au niveau national, là, au niveau national, je me bats pour le RHDP. Donc ça veut dire que je sais le truc qui se passe dedans. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Mamadou Sanogo devait aller être le député de Waninou, de Touba. Et que Moussa devait aller à Waninou. On lui a fait la proposition. Le grand frère n'a pas accepté. Il a dit que lui veut forcément Waninou. Et que c'est Moussa qui doit aller à Touba. Alors que ça devait être le contraire. Mais tout ça, on n'a qu'à laisser. Le Bafing appartient à tous. Nous sommes tous du Bafing. Mais je ne peux pas accepter quelque chose. Depuis que le Bafing est Bafing, les discussions que vous avez entre vous, vous avez soutenu des indépendants, quelqu'un qui n'était pas dans la politique, il n'était pas au courant de vos problèmes internes. Vous avez vos problèmes privés entre vous là-bas dans le Bafing. Lui, il vient d'arriver. Vous voulez qu'il prenne position. Il ne prend pas position. Lui, son problème, c'est le Bafing. Lui, il se bat pour le développement du Bafing. Donc moi, Zoulou de Bogota, après les élections législatives dans le Bafing, Moussa Sanogo gagne à Waninou et à Touba. Mamadou Sanogo gagne à Waninou. J'appelle les deux pour les féliciter, ce qui est de mon droit. Et je les invite à faire en sorte que tous les cadres du Bafing soient unis. Quand je parle avec Moussa Sanogo, il me dit qu'il n'y a pas de problème, que c'est son souhait, se battre pour que tous les cadres du Bafing soient ensemble. C'est ce qu'il me dit. Il fallait que j'aille vers le grand frère aussi pour le féliciter et lui dire la même chose. Et quand je dis ça au grand frère, le grand frère va s'attaquer à moi. Il va m'insulter copieusement. Il ne va même pas s'arrêter à moi-même. Même mon père qui m'a mis au monde, mon père qui m'a mis au monde, ne va pas échapper à ses injures. Ma mère qui m'a mis au monde ne va pas échapper à ses injures. Je ne dis rien parce que j'ai dit que c'est un grand frère. Merci beaucoup, pardon pour le truc. Mais je vais dire que Waninou est plus proche de tout. Ferintela est plus proche de Touba que Waninou. Donc, quelque part, qui serait mieux placé pour être le député de Waninou? C'était Moussa dans la réalité. Mais si le parti même vous a fait la proposition, pourquoi refuser? Si le parti a fait la proposition, pourquoi refuser? Si le parti a fait la proposition, pourquoi refuser? Mes chers frères, il a refusé. Ce n'est pas un problème. Je l'appelle pour le féliciter par rapport à son élection en tant que député. Et je profite pour lui dire la même chose. Non, chers frères et sœurs, voilà la phrase qu'il ne fallait pas dire au grand frère. Parler d'union. Non. On ne peut pas parler d'union. On ne peut pas parler d'union parce que les autres doivent se soumettre à lui. On ne doit pas parler d'union. On ne doit pas parler pour dire on doit se mettre ensemble. Non! On ne doit pas parler de ça. On va parler de l'union des cadres. On va demander à tous les cadres de se mettre ensemble pour le bien-être du Bafing. On va demander, s'ils ne le font pas, il n'y a pas de problème. Mais nous, on va le faire. Donc, j'interpelle encore ici. J'interpelle Moussa Sanogo. J'interpelle le grand frère Mamadou Sanogo. Parce que c'est lui qui est le grand frère. C'est lui qui est le grand frère. J'interpelle notre maman Sara Sako. Parce que c'est elle qui est la maman. Oui. Je demande à mon grand frère Mamadou Sanogo de se rapprocher de la maman Sara Sako afin de faire en sorte que tout le monde se mette autour d'une table pour le développement du Bafing. Je vais le dire aujourd'hui, je vais le dire demain. S'ils ne veulent pas le faire, il ne faut pas qu'ils vont le faire. Mais moi, je vais le dire. Voilà. Clair et net. Je n'ai jamais voulu prendre position. Je ne suis pas un hypocrite. Je le dis haut et fort. Mais je dis que ce soit clair, les attaques contre Moussa Sanogo
dans le Bafing doivent s'arrêter. Clair et net. Je ne permettrai plus. C'est fini. Trop, c'est trop. Depuis 4 ans, depuis 5 ans, en train d'insulter quelqu'un, lui donner les responsabilités de, dont il n'a aucune responsabilité. Moussa est venu trouver la division entre vous. Moussa ne peut pas se mettre pour dire qu'il va faire un choix. Moussa ne fera pas de choix. Moussa va continuer de se battre afin que le Bafing se mette ensemble pour le développement du Bafing. Je ne suis pas ici. Les arrivistes sur les réseaux sociaux, là, vous les arrivistes qui aujourd'hui, vous voulez parler de Mamadou Sanogo. Est-ce que vous connaissez Mamadou Sanogo? Vous l'avez connu où? C'est vous qu'on appelle arriviste. Parce que l'homme est devenu ministre. Parce que le RDR arrive au pouvoir, il est devenu ministre, vous êtes autour de lui. C'est vous qu'on appelle arriviste. Moi, je ne suis pas un arriviste. Oui. Le grand frère Mamadou Sanogo, je le connais depuis Djiglo. Je le connais depuis Djiglo. Je ne le connais pas en tant que ministre. Hein. Je ne le connais pas en tant que cadre du RSDP. Moi, je ne l'appelle pas monsieur le ministre. Ou bien moi, je ne l'appelle pas grand frère ministre. Non, moi, je l'appelle grand frère. Parce que son rôle de ministre, là, vient après notre lien de fraternité. Oui. Son rôle de ministre, là, vient après le lien de fraternité que nous avons. Donc je suis dans une position aujourd'hui où je me dis, si moi je ne dis pas la vérité à mon grand frère, si je ne l'aide pas à se ressaisir, si je ne l'aide pas pour lui faire comprendre qu'aujourd'hui là, tu avais tout dans la main, chers frères et sœurs, même au niveau national, le grand frère Mamadou Sanogo a échoué. Je vais vous expliquer le pourquoi. Quand je m'assois, parfois j'ai les larmes aux yeux et je l'ai même dit à certains fils et filles du Bafing. Chers frères et sœurs, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, va certainement m'excuser. Le président du Sénat, Aoussou Jeannot, va certainement m'excuser. Mes chers frères et sœurs, le grand frère Mamadou Sanogo ne devait pas être plus, il ne devait plus être au niveau de celui qui se bat pour devenir un conseiller, président du conseil régional. Mamadou Sanogo ne devait pas être là en train de parler aujourd'hui de problèmes de mairie, de députés, de conseil régional. Le ministre Mamadou Sanogo aujourd'hui devait être président d'une institution en Côte d'Ivoire. Nazar du RHDP, salut à toi depuis ta position, ma petite soeur, merci. Le ministre Mamadou Sanogo devait être aujourd'hui président d'une institution, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Faut pas, on va se mentir. Président de la Cour suprême. C'est ça aujourd'hui qui devait être son rôle dans la réalité. Pour tout le respect que je dois au Bitogo, même à Mbak, grand frère Mamadou Sanogo, si tu avais su utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné, en faisant en sorte que tu étais devenu le responsable unique du RSDP, envoyé par le président dans le Bafing. Grand frère Mamadou, toi tu ne devais plus être au niveau de président de conseil. Toi aujourd'hui là, on devait t'appeler monsieur le premier ministre. On devait t'appeler président de l'Assemblée nationale. On devait t'appeler le président du Sénat. Nous les fils du Bafing, on a mal. Nous, les fils du Bafing, on a mal que toi, aujourd'hui, tu sois traîné dans les petites querelles inutiles. C'est pas ton discours qui est là. Oui, mais ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ceux qui te soutiennent, ceux qui t'encouragent, grand frère, ils ne t'aiment pas. Je te le dis haut et fort. Ceux qui t'encouragent dans ça, ceux qui t'applaudissent quand tu t'en vas dans le Bafing et que tu soutiens des indépendants, ceux qui t'encouragent dans ça, grand frère, ils ne t'aiment pas. Grand frère, ils ne t'aiment pas. C'est tes pires ennemis. C'est tes pires ennemis.
qu'est-ce que tu es en train de parler? Tout, à un certain moment, tout se parle. À un certain moment, tout se parle. J'ai mal. Quand je te vois assis quelque part, en train de soutenir des indépendants, quand je vois que ton nom tourne dans la boue de certains débats qui ne te noient pas, qui ne peuvent pas te grandir, j'ai mal. J'ai mal aujourd'hui que toi, aujourd'hui tu n'es pas en train de te battre pour devenir président d'une institution, mais que tu es encore dans le combat pour dire que tu vas devenir président du conseil régional, pour tout le respect que j'ai pour le président du conseil régional. Mes grands frères, aujourd'hui, dans le RHDP, que les Tunkara se soient retirés, que les Ambak aujourd'hui, les Amadou Gon Koulibaly ne soient pas là. Quel est toi ton promotionnaire aujourd'hui auprès du président Ouattara? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça dit que toi, tes promotionnaires aujourd'hui, là, ils sont présidents du conseil régional. Et pardon, ils sont présidents d'institutions. Même pas. Les gens comme les Pitogo, c'est des gens qui te respectaient. Les Bakongo, c'est des gens qui te respectaient. Tu devais être une icône aujourd'hui au RSDP. Même pas pour le Bafing seulement. Mais mon grand frère, mais le premier ministre, je vous donne un exemple. Les élections qui viennent de se passer. Le premier ministre est là à Diglo. Patrick Achie est là à Diglo pour aller soutenir Anne Ouletto. Et comme le grand frère Mamadou Sanogo a commencé son combat du RDR à Diglo, il a été invité par la direction du RHDP de Diglo pour venir au lancement de campagne du RHDP à Diglo. Le premier ministre était présent. Le Mamadou Touré était présent à Diglo. Mamadou Sanogo a été invité. Sa chaise est restée vide. À la place publique, les responsables du RHDP du Cavali, devant le premier ministre, devant les autres cadres du RHDP, ont annoncé devant tout le monde que Mamadou Sanogo a été invité et qu'il a refusé de venir. Sa chaise était là, avec son nom. Il n'a pas appelé pour dire « Non, je ne pourrai pas venir parce que j'ai un empêchement. » Il ne s'est pas présenté. Jusqu'à ce que les cadres du RHDP, du Cavali, pour éviter que demain, ce soit interprété pour dire qu'on ne l'a pas invité. Ils ont dit devant tout le monde, devant le premier ministre, devant les autres cadres du RHDP, que Mamadou Sanogo a été invité et qu'il ne s'est pas présenté à Diglo. Alors que c'est quelqu'un qui pouvait aider le RHDP dans sa victoire dans le Cavali. Parce que c'est là-bas qu'il a commencé sa politique. De vous à moi, chers frères et sœurs. Oui, Malone Chérif, je ne suis pas du tout content. Le premier ministre Patrick Achie va à Diglo. On t'invite, tu ne viens pas. Tu n'appelles pas pour dire que tu ne vas pas venir. Ta chaise est restée vide. Jusqu'à ce que les cadres du RHDP, du Cavali qui te connaissent bien, pour éviter que demain tu dises que tu n'as pas été invité, on dit devant le premier ministre qu'on t'a invité que tu ne t'es pas présenté. Et il y a des gens qui sont là qui t'applaudissent, qui t'encouragent dans ça. Non, non, non. Grand frère, moi je ne t'encourage pas dans ça. Parce que je sais que dans la réalité, je souffre. Je ne t'encourage pas dedans. Je ne t'encourage pas dedans. Ça là, moi je ne t'encourage pas dedans. Oui. Tu étais dans le Cavali. C'est la même chose aujourd'hui qui se passe dans le Bafing. La même chose aujourd'hui dont tu te plains dans le Bafing. C'est de la même chose hier, tu te plains dans le Cavali. Il y a un problème. Et donc la solution c'est toi. C'est toi le problème et la solution c'est toi. La solution c'est toi dans le sens que tu dois laisser les autres vivre aussi. Tu ne peux pas être le maire de toutes les communes du Bafing. Tu ne peux pas être le député de toutes
toutes les communes du Bafing. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être le seul cadre du RHDP dans le Bafing. Tu ne peux pas être le seul à aider à faire avancer le Bafing. On dit dans la main, on développe la région ensemble. Donc, on n'a qu'à se dire la vérité. Chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Je vais m'arrêter là. Mais comme je vous ai dit, j'ai le sac. Sinon, j'ai la valise qui est pleine. Elle risque de s'exploser si je ne parle pas. Il faut que je la vide. J'ai besoin de vider peu à peu la valise et il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse pour vivre tranquille. Merci à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège.